Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, bienvenue à Mos Larg. Toute l'équipe des Motacumper éprouve une profonde et paisible satisfaction à l'idée de vous recevoir ici ce soir pour la 10e édition de son spectacle d'été. Afin de nous plonger sans attendre dans l'ambiance de la mer, prenons quelques instants de notre temps si précieux pour nous relaxer tous ensemble. Faites tout d'abord connaissance avec vos voisins. C'est bien plus poli. Voilà. Maintenant, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Votre dos doit être bien en contact avec le dossier. Abaissez vos épaules, relâchez vos bras, déposez vos mains sur les cuisses. Non, monsieur. Oui, vous, là. Oui, les vôtres. Pas celle de votre voisine. Voilà. Laissez vos poumons prendre toute la place qui leur convient. Lâchez maintenant votre cigarette si vous en avez une. C'est interdit ici. Et jetez-en le paquet par-dessus bord. Voilà. Vous vous sentez mieux, plus léger. Pensez aussi à éteindre votre portable. Voilà. Lui aussi, vous pouvez le jeter. Voilà. Votre esprit est maintenant en paix. Nous aussi. Maintenant, fermez les yeux. Imaginez-vous sur une plage en été. Vous n'aviez pas les moyens de partir en vacances ? Mesurez ainsi le plaisir que nous vous apportons ce soir avec cette œuvre de substitution. Cela méritera sans doute quelques petites pièces pour notre corbeille en fin de spectacle, non? Sauf, bien entendu, si vous n'avez pas aimé. Ou si vous êtes vraiment trop fauché. Générosité. Respirez encore un grand coup. Sentez-vous maintenant l'odeur des embruns, celle du poisson et du coquillage frais, et celle du grand large. Ouvrez lentement les yeux. Découvrez devant vous l'immensité de l'océan. Vous ne le voyez pas? Avec un petit effort d'imagination. Allez, voilà. Vous êtes maintenant prêt. Alors, profitez et bon voyage. Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre, vide et vague, n'était que solitude et chaos. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait sur la surface des eaux. Dieu dit qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'entre les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui se trouvent au-dessous du firmament
avec les eaux qui se trouvent au-dessus du firmament. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu nomma cet étendu le ciel. Il eut un soir, il eut un matin. Dieu dit que les eaux répandues sur le ciel s'amassent en une seule masse et que le sol apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants. Et Dieu créa les cétacés énormes et tous les êtres animés qui se glissent, qui grouillent dans les eaux. Ils pullulent selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez l'eau des mers. Et nous voilà, ce soir. Que celui-ci, brillamment blanchâtre. Brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il suffit de la glisser au creux d'un torchon, de se servir d'un couteau ébréché et peu franc, de s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. À l'intérieur, il y a tout un monde à boire et à manger. Sous un firmament de nacre, les cieux du dessus s'affaissent sur les cieux du dessous pour ne plus former qu'une mare. Un sachet vicieux et verdâtre. Qui flue et reflue à l'odeur et à la vue. Frangé sur les bords d'une dentelle noirâtre. Allez, oust! Foutez-moi le camp. À
Allez, débarrassez-moi le plancher. Allez, 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 allez. Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparé à elle, les vieilles hydres font sourire. Orphée, Hésiode, Homère n'ont pu créer que la chimère. Dieu a fait la pieuvre. Quand Dieu le veut, il excelle dans l'exécrable. Si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. Elle n'a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse, pas de dard, pas de pince, pas de bec, pas de griffe, pas de dents, pas d'aileron tranchant, pas de virus, pas de venin, pas d'épine, pas d'épée. La pieuvre est pourtant de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce que la pieuvre ? C'est la ventouse. Une forme grisâtre aussi dans l'eau. C'est gros comme le bras, c'est un chiffon. Cela ressemble à un parapluie fermé qui n'aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous peu à peu. La pieuvre, c'est l'hypocrite. Elle a l'air d'un pli de la vague. On n'y fait pas attention et soudain, elle s'ouvre. Huit rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a deux yeux. Une viscosité douée de volonté. Quoi de plus effroyable ? Presque toujours quand on la voit, on est pris. La pieuvre nage. Elle marche aussi. Elle est un peu poisson, ce qui ne l'empêche pas d'être un peu reptile. Elle rampe sur le fond de la mer. Elle se déplace à la façon de la chenille arpenteuse. Il n'y a rien dedans. Elle est flasque. C'est une peau. Elle a un seul orifice au centre de son rayonnement. Est-ce l'anus ? Est-ce la bouche ? C'est les deux à la fois. L'entrée est l'issue. Toute la bête est froide. C'est un contact odieux que cette gélatine animée qui enveloppe le nageur. Où les mains s'enfoncent, que les ongles labourent, qu'on déchire sans la tuer, et qui vous glisse entre les doigts. Une morsure est redoutable, mais bien moins qu'une succion. La griffe n'est rien comparée à la ventouse qui peut s'enfoncer dans sa proie de plus d'un pouce. La griffe, c'est la bête qui entre en vous. Mais la ventouse, c'est vous qui entrez dans la bête. Vos muscles s'enflent, vos fibres se tordent, votre peau éclate, votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lymphe du mollusque. Toute la bête se superpose à vous par mille bouches infâmes. L'hydre s'incorpore à l'homme. L'homme s'amalgame à l'hydre. Vous ne faites plus qu'un. Le tigre ne peut que vous dévorer. Le poulpe, horreur, vous aspire. Il vous tire à lui et en lui. Et lié, englué, impuissant, vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Au-delà du terrible, être mangé vivant, il y a l'inexprimable, être bu vivant. Celui-là, là-bas, c'est l'éléphant de mer. Mais il ne le sait pas. Éléphant de mer ou escargot de Bourgogne, pour lui, c'est pareil. Il se moque de ces choses-là. Il ne tient pas à être quelqu'un. Il est là, assis sur son ventre. Parce qu'il aime bien être assis comme ça. Chacun a bien le droit de s'asseoir à sa guise, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes bien assis là, non ? Eh bien, l'éléphant de mer, lui, il est assis sur son ventre. Et tous les jours, il mange des kilos. Il les mange simplement, sans faire de baguette. Tandis que l'homme, quand il mange un poisson, il le trempe d'abord dans l'eau bouillante. Et après, il en parle pendant des jours et des jours et des années. Ah, quelle truite! Tu te rappelles? L'éléphant de mer, lui, il mange des poissons simplement, sans faire de manière. C'est la seule chose qu'il sait faire.
mais c'est une chose qu'il fait très bien. Il paraîtrait qu'autrefois, l'éléphant de mer jonglait avec des armoires à glace. Mais ça, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Plus personne ne veut prêter son armoire à glace. L'armoire pourrait tomber, la glace pourrait se briser, ça ferait des frais. L'homme aime bien les animaux, mais il tient parfois davantage à ses meubles. L'éléphant de mer, quand on ne l'ennuie pas, est heureux comme un roi. Bien plus heureux qu'un roi. Parce qu'il peut s'asseoir sur son ventre. Alors que le roi, même sur son trône, il est toujours assis sur son derrière. Tout au fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis. Ha, ha, ha. Attendant patiemment que les pêcheurs soient partis, que les pêcheurs soient partis. Oh, oh, oh. Oh, ohé, du bateau, du grand mât de la lune. Oh, ohé, du bateau, du grand mât réuni. Il y a des vétérans tout barbus, tout fripés, tout barbus, tout fripés. Ha, ha, ha. Échappés par hasard, des âmes sont les filets, des âmes sont les filets. Oh, oh, oh. Oh, hé, du bateau, du grand mât de la lune. Oh, hé, du bateau, du grand mât déluné. Oh, hé, du bateau, du grand mât de la lune. Oh, hé, du bateau. On l'emporta hurlant au prochain parasol. Son petit pied gonflait de seconde en seconde. Ses cris fendaient le cœur à tout le monde. C'était pitié de voir souffrir cet innocent. Un médecin, passant d'aventure, s'approcha. Il ne faisait pas sérieux tout nu. Se penchant sur le pauvre petit corps tordu. Ah, c'est une vive. Il faut une voiture. Le pharmacien lui fera une piqûre. Moi, maintenant, je ne puis plus rien. Hélas, jusqu'à l'autre marée, le pauvre petit va souffrir vraiment beaucoup. Prise de panique à ce coup, les mères affolées groupèrent leurs troupeaux. Si un monstre marin était sorti de l'eau, il ne les eût pas étonnés. C'est trop injuste, juste à la fin de la journée. La sale bête, qu'on ne voit même pas. Il jouait, madame, avec sa petite pelle. Il faisait des petits pâtés bien gentiment. Pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi faut-il toujours craindre quand on a des enfants ? Il faut se plaindre au syndicat d'initiative. On leur donne assez d'argent pour qu'ils protègent les gens. N'est-ce pas le chien ? Il faut bien que chacun vive, dit la vive qui avait piqué l'enfant. Tout au fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis. Ha, ha, ha. Attendant patiemment que les pêcheurs soient partis, que les pêcheurs soient partis. Oh, oh, oh.
des fantailleuls. Et son homme fier et beau capitaine mettra cet hiver ce beau gilet de laine. Un astronome, un jour, par une erreur, pointa son télescope sur une plage. L'instrument mal réglé, d'abord, il s'étonna des planètes qu'il découvrait dans ces parages. Quels sont ces mondes inconnus? Quelles nouvelles galaxies? Les uns sont blancs, les autres d'un brun soutenu. Mystère de la connaissance, de quoi plonger dans la stupeur l'Académie des sciences. Quand sa bonne, qui passait par là, prise par lui à témoin et l'œil à la lunette, pouffa, car elle avait son franc-parler. Monsieur est bête! C'est des derrières tout nus que monsieur prend pour des planètes! L'astronome confus et lui gardant rancune la renvoya à ses balais et sur la lune, dont il était un spécialiste, braqua boudeur son énorme instrument. Mais le soir, il lui fit remarquer sèchement que son soufflet était raté. Toute science est si vaine, et pour ce qu'on en fait, confort imbécile ou méfait, que je rêve d'un monde où l'homme, ayant abandonné l'atome, n'aurait plus que son jardin et lui-même à soigner. D'un monde où ses lunettes fabuleuses, faites pour déchiffrer la nuit des nébuleuses, ne serviraient plus qu'à lorgner le derrière rond des baigneuses. C'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans le prunel qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Avec qui s'appelait Eve, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à venir gratter du côté de son cœur. En douceur, en douceur, en douceur. En douceur avec profondeur. Les filles du bord de mer, c'était chouette.
qu'il savait y faire. Elles étaient chouettes, les filles du bord de mer. Elles étaient faites pour qui savait leur plaire. La, la, la. Juin. Juin 1986, dimanche de la mi-juin. De l'été, c'est le plus beau jour, le vrai premier jour des vacances. Après 500 km d'autoroute, Bobby descend de l'automobile pour forcer le portail en bois. Jenny gare la voiture sous l'abri de chaume. À l'arrière, l'ivresse désordonnée des joies folles fait trépigner les deux petites filles énervées. Dans l'allée de sable hérissée d'herbes incongrues, un lapin stupéfait s'éclipse le cul en l'air. Il a l'air con des lapins stupéfaits. Au bout de l'allée est la maison. Toit d'ardoise, murs blancs et briques cernés de vignes vierges. Quand il pousse la porte, la chaleur enfermée fait monter du parquet nourri d'huile de pin la senteur exotique du pont des vieux navires. De l'autre côté est la terrasse, en bas, en contrebas, immense comme une éternité tranquille, frémissante à l'infini, inéluctable comme la mort et, plus crédible que Dieu, la mer considérable s'en fout intensément. La vraie mer, Atlantique. Pas la mer sans marée, stagnante et soupe aux moules qui lèche le sud à petits clapotis mièvres. Cette Méditerranée où l'anglaise dorée et finissante fait frémir ses varices. Non, je vous parle de la vraie mer, venue d'ouest, qui claque sur les sables vierges, et qui va et qui vient, qui monte et qui descend, comme un amant formidable. La mer tour à tour, miroir de plomb ou furie galopante. La mer. Alors, les enfants, saturés d'autoroutes, avides d'air marin, cassent la paix du soir à coups de rire claquant. Elles se jettent sur le sable, l'embrassent, l'étreignent, et s'y couche avec des ferveurs de pape embrassant la Terre Sainte. Bobby se dit qu'il est résolument contre l'abolition du mois de juin, car août est trop vulgaire. Transparents et mous, méduses et banlieusards échoués s'y racornissent dans un brouhaha glapissant de congés payés agglutinés. Août pue la frite et les aisselles grasses. En août, le pauvre en caleçon-lait, main sur les hanches face à la mer, n'ose pas penser qu'il s'emmerde. De peur que l'omniprésence de sa femelle sur son dos, de sa grotesque bouée canard et de son chien miteux ne lui fasse douter de l'opportunité posthume du Front populaire. Non. Le mois de juin est autrement plus gracieux. En juin, les jours sont longs et blonds, comme les nubiles scandinaves au sein mouillé qui rient dans la vague jusqu'à la minuit. En juin, au marché des pêcheurs, on ne se piétine pas encore. On flâne. Jenny arrive doucement sur ses pieds nus. Elle pétille rassurante sous son grand chapeau de paille tressé noir, pose doucement la main sur l'épaule de son homme pour regarder la mer ensemble. Tu devrais écrire un spectacle sur la mer. Elle dit ça comme on dit, tu devrais mettre une petite laine ou il faudrait téléphoner à ta mère. Il lui répond qu'elle est folle, qu'on ne fait pas un spectacle sur la mer comme on fait les foins, qu'il faut l'idée, les idées, l'échafaudage, et la plume sereine et lente, et peut-être le talent d'écrivain. Elle fronce alors le museau pour compter sa progéniture qui fait le dauphin à la frange de l'écume. Vu d'ici, on dirait des fourmis déconnant sur un ourlet. Elle rit. C'est un bon début pour un spectacle, non? Les enfants jouaient dans la mer à barre basse. Vu de la terrasse, on aurait dit des fourmis déconnant sur un ourlet. Mais après, il faudrait une histoire. Je sais pas, moi. La mer est plate et rassurante, mais le vent souffle de la terre et le plus petit enfant dans sa bouée en plastique disparaît à jamais vers les Amériques.
La douleur des parents fait peine à voir. Le malheur se lève, le soleil se couche. Racontez la suite. Les familles, l'été venu, se dirigent vers la mer en y emmenant leurs enfants, dans l'espoir, souvent déçu, d'y noyer les plus laids. Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau. D'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation. Au bout de 8 jours, nous fûmes persuadés que la mer pour nous n'aurait plus de secret. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Le père alors fit preuve d'autorité. Je suis ingénieur, laissez-moi commander. Au résultat, on lui a suggéré qu'un vrai marin vienne nous accompagner. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Alors il a dit, je vais prendre la direction. Pousse-toi. Ancien marin, c'est la navigation. Je commence à croire que c'était prématuré. Faut pas confondre guitare et naviguer. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Au bout de 3 heures de notre exhibition, l'âme nous se relève avec stupéfaction, car on s'était pas beaucoup déplacé, rapport à l'ancre qu'on n'avait pas remontée. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Après plusieurs années de pratique et d'observation, je me demande toujours pourquoi le galet provoque cet irrésistible besoin d'être saisi, sous-pesé, puis jeté devant soi. Le matin, sur les rivages encore tranquilles, débarquent les premières familles en visite à Étretat et ses plages de galets. Dès qu'ils posent le pied sur ce tapis de pierre ronde, le premier réflexe des enfants, et spécialement des garçons, consiste à se pencher vers le sol, à saisir un galet, puis à le balancer au loin. Mais il me semblait que ce signe extérieur de virilité ne s'adressait pas seulement à ses congénères. Dans ce geste enfantin, j'entrevoyais une signification plus profonde, liée à la place de l'homme dans le monde, à ce petit être insignifiant, écrasé par l'immensité, comme si ce jet de pierre constituait un défi, une façon de se confronter à l'océan en lui disant « Tu as lentement poussé ce galet jusqu'à moi. Eh bien moi, d'un simple mouvement de bras, je vais le renvoyer dans ton eau glacée. Je peux défaire en un instant ce que tu construis patiemment par le rythme obstiné de ta marée. Depuis des millions d'années, tu montes et redescends bêtement ces cailloux, tandis que ma volonté d'être humain peut accomplir ou annuler cet acte volontairement. Ainsi, l'enfant se découvre-t-il plus fort que la mère ? Ce qui n'empêche pas celle-ci de remonter le galet, sans rien dire, à son vieux tempo, avec cette obstination qu'elle met depuis des millions d'années à polir quantité de silex en les roulant les uns contre les autres. Zoom, les fermes, les pattes, comme Marie-Joseph, les chapeaux de chez Flaxi. Il existe une autre et très admirable fonction du galet. Je veux parler de ce pouvoir qu'il a de retarder l'expansion du tourisme dans une région, la Normandie, déjà favorablement défavorisée par son climat frais. Malgré l'ardeur des commerçants et des politiques qui continuent d'envisager comme un espoir l'envahissement par les foules à moteur, malgré l'énergie des hommes d'affaires qui rêvent d'une progression à 2 chiffres de l'industrie départementale des loisirs, le galet veille paternellement sur nos rivages. La plupart des efforts promotionnels
en faveur de l'accueil se trouvent anéantis par le peu de goût du vacancier pour cet objet dur à la plante des pieds comme au postérieur, auquel il préfère le sable poudreux. L'habitué des galets sourit intérieurement à ce malentendu, car il sait bien que son caillou gris, par sa masse et sa lourdeur, lui offre maints avantages, que jamais il ne rentre de la plage les chaussettes pleines de galets, que jamais il ne doit passer l'aspirateur dans sa voiture pour en ôter les galets incrustés partout. Pourtant, le vacancier moyen continue de lui préférer le granulé fin, doré et brûlant. Allez maman, on rentre à la maison. C'est l'heure de la traite. Voilà les télévacanciers vont arriver, voilà les télévacanciers vont arriver. Ils s'en viennent, on sait pas d'où, et ils partent par un autre bout. Voilà les télévacanciers, la vasion des vacanciers. En saison, le Parisien d'Étretat respecte scrupuleusement ses horaires de baignade. Son maillot enfilé, il sort de la cabine et descend la pente caillouteuse sans montrer que les galets lui écorchent les pieds. Puis, arrivé sur le rivage, il reprend avec son groupe une ancienne conversation à propos de la température de l'eau. Ceux qui terminent leur bain s'approchent en nageant avec volupté. Leur tête satisfaite émerge, un brin provocante, tandis que s'amorce une invariable succession de répliques. Oh, elle est glacée ce matin, dit celui qui va se baigner. Mais non, je t'assure qu'elle est bonne, une fois qu'on y est, rétorque celle qui sort de l'eau. Bon, c'est du masochisme, grommelle un ironiste. Voilà, oh, c'est affreux, hein, s'écrie un nouvel arrivant, comme s'il apprenait quelque chose à la communauté. Le mieux, c'est d'y aller franchement, conclut un optimiste, le plus agaçant de tous. Car celui-là, au lieu d'avancer centimètre par centimètre, choisit de supprimer les préliminaires. Dévalant les galets, il plonge d'un coup sec en éclaboussant tout le monde. Puis sort la tête et s'éloigne en crôlant. Ces dialogues ont probablement un sens caché, sachant que la température de l'eau au mois d'août est toujours à peu près la même, entre 17 et 19 degrés. Nul ne l'ignore pourtant. Indifférente à l'expérience, la conversation se répète, génération après génération, avec les mêmes questions inquiètes sur la température de l'eau. Et l'on songe que ce babillage est peut-être la simple sonorité qui accompagne la vie des êtres animés. À la pêche, moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Y en a qui passent leur week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grand, je serai pirate. Les pirates ont des tas de frégates, des sabres pointus et pas de cravate. Les pirates ont du poil aux pattes et une tête de mort sur les omoplates. Les pirates ont une jambe de bois et de gros saphirs visent à leurs doigts. Les pirates ont des nez vermeils et des anneaux d'or pendus aux oreilles. Ils vont sur la mer, pas grand vent t'arrête, et vont à l'abordage avec des cris sauvages. Tu les matelots flanquent les corallos et qui n'a plus de fillettes pour leur compter pleurette. Les pirates ont de gros mousquets, des tonneaux de poudre et des perroquets. Les pirates sont bornes d'un œil et leur pauvre maman est toujours en deuil.
Je suis allongé dans l'eau. Je monte et je descends avec les vagues. Je me laisse porter par la marée. Jamais la mer ne me manque. Elle m'accompagne peut-être dans le poème qui se fera. Dans les brisants. Dans les cris des goélands. Dans l'écume qui retombe en eau. Dans la marée qui commence à monter. Dans le goémon qui s'accroche au rocher. Je me convie. Je m'y installe. Je suis allé sur la plage. J'ai marché le long des vagues. Je vais et je marche pour être compagnon de l'océan, avec l'espoir qu'il m'aidera à trouver comment écrire sur lui. Et sans doute, me connaîtrai-je mieux alors. Je vois bien que j'existe pour l'océan. Alors, qu'il me traduise en palourde, en bernique, en vague, en rocher. Je n'en serai pas amoindri, bien au contraire. L'océan, l'océan, lui aussi, écrit et ne cesse d'écrire. À chaque marée, il écrit sur le sable. Il écrit tous les jours, toujours la même chose. C'est sans doute ce qu'il doit se dire, la même chose. Et pourtant, qui s'en occupe et qui ose? Entre le ciel et l'eau. Casquette humide, du froid, du chaud. Des yeux qui tanguent sur teint de braise, la gueule torsadée, un vieux meuble Louis XIII. La tronche à tribord, le blanc sec à bâbord. Amarré à son verre comme son chalut de porc. Il les voit, les pygmées, les terriens ébréchés, les touristes vainqueurs de la mer par erreur. Ça sent que c'est l'été. Il y a la casquette trop neuve et du faux mal rasé. On s'habille chez Kerr Chouette, un nœud marin pour se faire des couettes, samaritaine, rayon pêcheur. Pour être marin, on loue une heure. On borde un lit pendant un an, on borde une voile, pas longtemps. Le marin vide son verre, fatigué, main usée, clope roulée, s'en aller. Le touriste reprend un verre, extasié, mal lavé, clope filtrée et pérorée. La mer s'étire. Et se retire. Il n'y en a plus. Il n'y a que des points de vue. Ça sent le varech, parfois le mazout, la marée noire, beauté août. Elle a de la force à numéro. Force 4, force 6, on borde, on gîte. Il y a de la mouette qui ressemble au corbeau. Et chez le marin, c'est le cœur qui gîte. Jamais reprisé, oui, mais à
être usé. Son vieux tricot de laine. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur des gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau, comme il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses grandes ailes l'empêchent de marcher. Sans voir. 32. 33. 35. 40. C'est bon. Ouais, c'est bon aussi. Oh. Un trèfle. Et un tour d'atout. Maïka. Oh, bonne mère. Oh, bonne mère. Mais il n'y a personne là-haut. Eh non, il n'y a personne. Eh ouais, à toi de donner. Dis, César. Oh. Ton fils, il a une maîtresse, non? Eh ouais. Et qui est-ce, sa maîtresse? Ça, je ne le sais pas vraiment. On n'en a parlé qu'une seule fois et encore. Tout ce dont je suis sûr, c'est que c'est une femme de navigateur. Une femme de marin. Mais pourquoi? D'abord, parce qu'il y passe les nuits entières. C'est donc que le mari n'y couche pas tous les soirs. Évidemment. 32. 35. 40. Et en plus, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. Comment? Je dis, c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. 40. Oh, qu'est-ce qui se passe, Félix? Je t'ai vexé, oh. Je te demande de pardon. Et à qui tu demandes pardon? Au marin ou au cocu? À tous les deux, va, oh. Et tu vas dire que Monsieur Brun le savait, peut-être? Eh non, Monsieur Brun ne savait pas peut-être, c'est lui qui me l'a appris, oh! Que je sois cocu, ça ne te regarde pas, et ça n'a d'ailleurs aucune importance.
mais je te défends d'insulter la marine française. Je ne joue plus. Oh, Félix, écoute. Je n'écoute rien. Je repasserai ici demain pour recevoir tes excuses. Bonsoir, monsieur Brun. Allons, capitaine. N'insistez pas. Allons, capitaine. N'insistez pas. Oh, Félix, tu veux les excuses? Je te fais les excuses tout de suite. Non, j'exige des excuses réfléchies. Faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Et ce sont des paroles en l'air. Je n'ai jamais voulu insulter la marine française. Je l'admire, la marine française. Je l'aime, la marine française. Eh ben, il se peut bien que tu l'aimes, la marine française. Eh oui. Mais la marine française, elle te dit merde. Oh, 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 c'est pas des ballons. Oh, 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 les marins de la marine. Oh, 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 c'est pas des ballons. Toujours gais et contents, nous selon le vent, nous mettons les voiles. Car je lis sans détour, on n'a plus la tour dans nos sables d'étoiles. Le marin c'est marrant, pour monter courant à sa bonne étoile. Pour chasser le cafard, pas broyer du noir, il se dit matin et soir. C'est dans la mama, c'est dans la virie, c'est dans la marine qu'on trouve ça se devine. Pour délivrer c'est dans la marine, on se répète en sourdine, ce petit refrain rigolo. Oh, 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 les marins de la marine. Oh, 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 c'est pas des ballons. Lorsqu'on voit nos pompons, ça fait sensation sur les balles musettes. Même les types du milieu laissent ses curieux danser leur nénette. On reconnaît au col bleu, on se touche un peu, tout le monde est en fête. Car pour danser la béguine au java, les marins sont un peu là. C'est dans la mama, c'est dans la riri, c'est dans la marine qu'on trouve ça se devine, toutes les bonnes combines. C'est dans la mama, c'est dans la riri, c'est dans la marine qu'on se répète en sourdine ce petit refrain rigolo. Oh, 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 les marins de la marine. Oh, 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 c'est pas des ballons. Oh, 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 les marins de la marine. Oh, 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 c'est pas des ballons. Appelle de suite et répondez à votre nom.
faut bien que tout le monde ici bas. C'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Faut bien que tout le monde ici bas. C'est-il pas vrai, l'éternel? Nous attirons dans du bateau. C'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? J'ai pour faire manger notre dos. C'est-il pas vrai, l'éternel? C'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? C'est-il pas vrai, éternel? C'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Oh, ça mange aussi les poissons. C'est-il pas vrai, éternel? Et les trucs qui ne savent pas. C'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Pêcher ces poissons-là, c'est-il pas vrai, l'éternel? Oh, Botsman, Botsman, sag uns noch, wann gehen wir im See? Wenn noch am Mast die Flaggen, wenn die Mädchen Alarmo verstehen, dann gehen wir im See. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Ja, das Meer, das ist groß und der Himmel frei. Und der Bootsmann hat recht, ja, was ist denn dabei? Wir sind frei und fahren zur See. Ha, hey! Wir sind frei und fahren zur See. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, early in the morning. Shave his face with a rusty razor, shave his face with a rusty razor, shave his face with a rusty razor, early in the morning, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey. She rises early in the morning. Put him in the longboat till it's over. Put him in the longboat till it's over. Put him in the longboat till it's over. Early in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises early in the morning. That's what you do with a drunken sailor. That's what you do with a drunken sailor. That's what you do with a drunken sailor. Early in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey. Ce sont les gars de cette ville, ah, ce sont de bons enfants. Ils ont fait faire un navire, j'aime la belle endormie. Pour aller sur le grand banc, j'aime la belle endormant. Ce sont les gars de cette ville, ah, ce sont de bons enfants. Ils ont fait faire un navire, j'aime la belle endormie. Pour aller sur le grand banc, j'aime la belle endormant. Le capitaine du navire mit la main sur ses babons. Tout doux, tout doux, capitaine, j'aime la belle Marjolaine. Vous n'irez pas plus avant, j'aime la belle Andorre. Vous avez eu mon pucelage, mais je n'ai pas eu votre argent. Galant fouille dans sa boursette. J'aime la belle Marinette, lui donne 10 écus contents, j'aime la belle Andorre. Hey! Ce sont les gars de Seineville, ah ce sont de bons enfants, ils ont fait faire un navire, j'aime la belle Andorre. Pour aller sur le grand vent, j'aime la belle Andorre. Hey! Libre.
toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre image au bruit de cette plainte impardonnable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul ne connaît le fond de tes abîmes, ô mer. Nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles millénaires que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Aux lutteurs éternels, aux frères implacables, ta trompette au fils de Laerte. Vite, dis-nous, nous brûlons d'impatience. Hélas, mes chers amis, c'est bien un repas qui a sonné, mais ce n'est pas le nôtre. C'est celui des monstres devant lequel va nous faire défiler le tapis roulant de la mer. Dans une heure, nous serons à portée de voix des sirènes. Dans une heure et demie, devant l'ignoble chienne, la divine Scylla,
dans 2 heures, s'il en reste, devant la fête caribde, semblable aux dieux. Oh, oh, mes chers camarades, 6 d'entre vous, mes 6 favoris, mes 6 préférés, les 6 plus courageux d'entre vous vont périr sous peu, dévorés par les ignobles sirènes. Mais pourquoi sommes-nous si lâches? Ah oui, hélas! Pourquoi ne sommes-nous donc pas ces 6 courageux-là? Toi qui as découvert Achille sous des robes, tu as su sous nos armures voir des âmes de femmelettes. C'est donc à juste titre, ô diva Ulysse, que tu ne nous honores vraiment pas de ta préférence. C'est pas nous les préférés. Ah, pourtant, il aurait été doux de mourir pour sauver ses frères. Non, ça suffit. Laissez tomber. Seul, attaché au mât, j'affronterai le déplorable appel des sirènes maléfiques. Quant à vous, pour éviter le danger de leur séduction mélodieuse, vous ramerez avec des bouchons de cire dans les oreilles. Enfin, si vous trouvez de la cire, parce qu'ici, les abeilles... Oh, oh diva Ulysse, il suffit de suivre jusqu'à leur ruche les innombrables abeilles qui se repaissent du miel coulant de tes lèvres délicates. Me lèche botte. Et non, maintenant, monte là-dessus, tu verras mon mât. Dépêche-toi. Allons. Chantons, les amis. Ça nous donnera du cœur à l'âme. Oui, chantons, chantons, chantons. Oh, non, attendez, voilà le premier promontoire. Petit celui poisson, pour la première sirène. Petit poisson, c'est Poséidon, dieu de la mer, du petit et du grand vin. Pour la commodité de ce spectacle et surtout celle de ses spectateurs, je me permets de vous interrompre. Car voici ce qu'aurait pu entendre le vaillant Ulysse si le chant de la sirène n'avait pas été occulté par l'effroyable cacophonie des matelots. Mon petit, fais-nous rêver. Cher Ulysse, 6 poussant ton bateau depuis la Méditerranée vers le grand océan, tu vogues 30 jours et 30 nuits, tu aborderas un nouveau monde où les sauvages rouges coiffés de plumes tricolores s'assoient sur des crocodiles. Oh merci, c'était parfait. Oh, diva Ulysse, que t'a dit la sirène? Tu nous as paru tout perturbé. Oh, mais écoutez, c'était divin, c'était vraiment divin. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline et de l'attendre avec un petit tube de vaseline. Je suis monté là-haut, mais j'ai résisté, voilà. Allez, remettez vite vos bouchons. Voilà déjà le second promontoire. L'aventure n'est pas achevée. Bon, les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Voici en exclusivité pour vous, ce soir et ce soir seulement dans votre ville, le chant occulté de la deuxième sirène. Mon petit, mets de la dentelle dans ta boîte à crinquer. Cher Ulysse, étends-toi un jour sous un pommier et regarde tomber les pommes. Un éclair traversera-t-il peut-être ton cerveau? Et tu comprendras la loi de la gravité, le boson de Higgs, les cieux du firmament. Bon, bon.
ça va. Hein. La loi de la gravité, la découverte de l'Amérique, faudrait peut-être pas pousser le bouchon un peu trop loin. Le cap est doublé, noble Ulysse. Que t'a dit la seconde sirène? Tu semblais hors de toi, grimaçant de colère. Mais non, c'était un transport d'allégresse qui semblait m'accablé. Allez, la Grèce. Cette belle rose que voilà m'a dit qu'elle s'appelait Thérèse et qu'elle voulait que je la pousse dans la braise. Ulysse, qu'est-ce qu'il t'en a fallu du courage pour résister à un tel enchantement? Allez, viens que je te refasse tes liens. Je vais faire même un double nœud. Les matelots, c'est le roi fort. Vite, à vos postes, à vos bouchons, à vos tampons. Voici le troisième promontoire. Maman, le petit bateau qui monte. Bon, alors, ça va, vous avez compris? Ça rame pas trop là-haut? Bon, la sirène qui chante, les marins qui braillent, Ulysse qui n'entend rien et qui n'ose l'avouer. C'est bon? Ça va? Bon, mon petit, vas-y, abrège. Oh, Ulysse, veux-tu que tes exploits survivent à travers les siècles et ne périssent jamais? Invente alors les lettres qui seront les signes des mots. Grave-les sur des petits morceaux de plomb. Enduis le tout d'une encre bien noire. Cela fera du plus bel effet. Et pour la recette de papier, ce sera pour une autre fois. On est passé. Oh Ulysse, tes yeux semblaient sortir de ton visage. Cette rousse. Rousse aurait-elle insulté ta pudeur? Oh, mes camarades. Oh, mec. Quelle délice! Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Disons-nous davantage! La curiosité nous dévore! Oui? Elle a rien dit! Elle a fait un poème! Très court et très beau! Ulysse! Grosse saucisse! Regarde où tu pisses! Voilà, j'ai rien compris, mais c'était très beau. Hein? Quoi? C'est tout? Oui. Admirable. Quel capitaine avant nous, là. D'accord. Allons, mon fidèle Kader, viens vite me détacher. Allez, je fais ferme. Maintenant, à quoi vous en tenir? Et combien le cours du monde peut être perturbé par quelques marins un peu trop zélés à chanter? Ça vous tue un destin? Je lasse. Choisis son bateau. Paya son passage et s'embarqua. Mais Yahvé lança sur la mer un vent violent. Et il y eut une grande tempête au point que le vaisseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers leur dieu.
pour s'alléger, ils jetèrent à la mer leur cargaison. Tirons au sort pour savoir de qui nous vient tout ce mal. Ils jetèrent les dés et le sort tomba sur Jonas. La mer se soulevait de plus en plus. Les marins ramèrent pour gagner le rivage, mais en vain. Alors, s'emparant de Jonas, ils le jetèrent à la mer. Et la mer apaisa sa fureur. Yahvé fit qu'il y eut un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas resta dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans les entrailles du poisson, il pria son Dieu. Dans la détresse où j'étais, j'ai crié vers toi et tu as entendu ma voix. Tu m'avais jeté dans les profondeurs de la mer et les flots m'environnaient. Toutes tes vagues et tes lames étaient passées sur moi. Et les eaux m'enveloppaient jusqu'à la gorge, l'abîme me cernait, l'algue était enroulée autour de ma tête. Oui, oui, je t'offrirai des sacrifices, car je sais, de toi seul vient le salut. Alors, Yahvé commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage. La baleine, dit Jonas, c'est la guerre et son blackout. La baleine, c'est la ville, avec ses puits profonds et ses casernes. La baleine, c'est la campagne, avec son enlisement dans la terre et l'épicerie et la main morte et le cul mal lavé et l'argent. La baleine, c'est la société avec ses tabous et son ignorance et sa vanité. La baleine, c'est, dans bien des cas, mes frères, mes sœurs, le mariage. La baleine, c'est l'amour de soi. Et bien d'autres choses que je vous dirai plus tard quand votre esprit sera moins obtus. La baleine est toujours plus loin, toujours plus vaste. Et croyez-moi, vous n'y échappez guère, vous échappez difficilement à la baleine. La baleine est nécessaire. Et n'allez pas croire que vous allez tout comprendre comme cela d'un seul coup. Car enfin, bien sûr, la guerre est emmerdante. Bien sûr, la société, bien sûr, le mariage. Mais on n'a pas trouvé d'autre école, de sorte qu'en fin de compte, il ne reste en définitive, après dernière analyse, comme cause d'emmerdement, que l'amour de soi-même. Car il faut le savoir, le regarde au-dedans et au-dehors, comme moi quand elle ouvrit la bouche. Ainsi, justement, la guerre, la société, le mariage, il y en a qui s'en servent comme d'un tremplin pour sauter plus loin qu'eux-mêmes. Désespéré, en même temps qu'un bruit qui ne ressemblait à aucun des bruits qu'on entend habituellement sur un bateau, s'échappa du navire. Une chose effrayante venait de se produire. Un canon, un des canons de la batterie, s'était détaché. Ceci est peut-être le plus redoutable des événements sur mer. Rien de plus terrible ne peut arriver à un navire en marche et au large.
Un canon qui casse son amarre devient brusquement on ne sait quelle bête surnaturelle. C'est une machine qui se transforme en monstre. Cette masse court sur ses roues. Elle a des mouvements de bille de billard. Elle penche avec le roulis, plonge avec le tangage, va, vient, s'arrête, paraît méditer. Reprend sa course, traverse le navire d'un bout à l'autre comme une flèche, pirouette, se dérobe, s'évade, se cabre, heurte et brèche, tue, extermine. Ce bloc forcené a les sauts de la panthère, la lourdeur de l'éléphant, l'agilité de la souris, l'opiniâtreté de la hache, l'inattendu de la houle, la surdité du sépulcre. Il pèse 10 000 et pourtant ricoche comme une balle d'enfant. Et que faire pour en venir à bout? Une tempête cesse, un cyclone passe, un vent tombe. Une voie d'eau se bouche, un incendie s'éteint, un mât brisé se remplace. Mais que devenir face à cette énorme brute de bronze? Comment vous y prendre? Vous pouvez raisonner un chien, vous pouvez étonner un taureau, vous pouvez fasciner un boa, effrayer un tigre, attendrir un lion. Mais un canon lâché, aucune ressource avec ce monstre. Vous ne pouvez pas le tuer, il est mort. En même temps, il vit. Il a sous lui son plancher qui le balance. Il est remué par le navire, qui est remué par la mer, qui est remué par le vent. Cet exterminateur est un jouet. Chacun de ses coups peut défoncer le navire. On a affaire à un projectile qui a l'air d'avoir des idées, qui se ravise, qui change à chaque instant de direction. Comment arrêter ce qu'il faut éviter? Comment combattre un plan incliné qui a des caprices? La faute était au chef de pièce qui avait négligé de serrer l'écrou de la chaîne d'amarrage et mal entravé les roues. Un paquet de mer étant venu frapper le bateau, le canon avait brisé sa chaîne. Au moment où la mare cassa, les canonniers étaient dans la batterie. Les uns groupés, les autres épars, occupés aux ouvrages de mer que font habituellement les marins. Le canon, lancé par le tangage, fit une trouée dans ce tas d'hommes et en écrasa 4 du premier coup. Puis, repris par le roulis, il coupa en deux un cinquième misérable. De là, le cri de détresse que l'on venait d'entendre. Le canon allait et venait dans l'entrepont. On eût dit le chariot vivant de l'Apocalypse. Il continuait l'exécution du navire. Il avait déjà fracassé 4 autres canons et fait dans la muraille 2 crevasses, heureusement au-dessus du niveau de flottaison. Mais par où l'eau entrerait s'il survenait une bourrasque? Les roues passaient et repassaient sur les hommes tués. Les coupaient, les dépeçaient, les déchiquetaient. Et des 5 cadavres avaient fait 20 tronçons qui roulaient à travers la batterie. Les têtes mortes semblaient crier. Des ruisseaux de sang se tordaient sur le plancher selon les balancements du roulis. Une tempête eût été désirable. Elle aurait peut-être culbuté le canon. Et une fois les 4 roues en l'air, on aurait pu s'en rendre maître. Alors, un combat farouche commença. Spectacle titanesque. Le combat du canon contre le canonnier. La bataille de la matière contre l'intelligence. Le duel de la chose contre l'homme. Tout à coup, on vit un homme apparaître. C'était l'auteur de la catastrophe, le chef de pièce. Coupable de négligence, cause de l'accident, le maître du canon. Ayant fait le mal, il voulait le réparer. Le capitaine du navire, descendu à l'entrepont, semblait homme de pierre au bas de l'escalier. Il jetait sur cette dévastation un regard sévère. Le canonnier connaissait sa pièce. Cela faisait longtemps qu'il vivait avec elle. Combien de fois il lui avait fourré son bras dans la gueule? C'était son monstre familier. Il l'aimait peut-être. Il se mit à lui parler comme à son chien. Il paraissait souhaiter qu'elle vînt à lui. Mais venir à lui, c'était venir sur lui. Et alors il était perdu. Sous eux, le flot aveugle dirigeait le combat. Le canonnier saisit un ballot de marchandises et, au risque d'être écrasé, le jeta entre ses roues. Le ballot fit l'effet d'un tampon. Le canon trébucha. La lourde masse se renversa avec le bruit d'une cloche de bronze qui s'écroule. Et l'homme, se ruant, ruisselant de sueur, passa le nœud coulant de la corde autour du cou de bronze du monstre terrassé. C'était fini. L'homme avait vaincu. La fourmi avait eu raison du mastodonte. Le pygmée avait fait le tonnerre prisonnier. Soldats et marins battirent des deux mains. Approche, matelot. Oui, toi, approche. Viens ici, devant moi. Bravo.
et félicitations pour ton courage. Et maintenant, qu'on le fusille. La négligence de cet homme a gravement endommagé ce bateau. À l'heure qu'il est, le temps change. La brise devient bise. Le brouillard s'épaissit et nous sommes peut-être déjà perdus. De grosses vagues viennent baiser les plaies béantes de notre navire. Redoutable baiser. Sa faute nous engage tous. Être en mer, c'est être toujours devant l'ennemi. Un navire qui fait une traversée est comme une armée qui livre une bataille. La tempête se cache, mais ne s'absente jamais. Toute la mer est une embuscade. Comme quoi les matelots, vous avez tous la frousse. Et oui, je le sais bien, les vieux m'ont trois mains. Mais il lui faut 12 hommes, capitaine à mousse, qui doivent le ramener jusqu'au Guatemala. Alors pendant 8 jours, j'ai cherché cet équipage, en train de le former comme marin d'occasion. Vagabond sans aveu dont certains tatouages affichent l'anarchie et la révolution. Mais moi le malabar, moi qui n'ai peur de rien, depuis l'heure du départ, l'heure dit je vous préviens, je suis le maître à bord. Moi seul, je suis le maître, et un des costauds des forts ont dû le reconnaître. Je vous promets, moi commandant, double ration, bon vin, bonne goutte, je serai juste et indulgent. Oui, mais il faudra qu'on m'écoute. Et maintenant, le cap au nord. Je suis le maître à bord. Depuis 40 jours, le navire est en route. Les vents sont contre lui, mauvais temps aussi. Et bientôt plus de vivres, plus d'eau dans les soutes. On sent que la révolte est à bord et grande, s'avançant dans la nuit. 4 hommes fous de rage, ont l'insulte à la bouche, le couteau à la main. Me parle-moi, capitaine, au nom de l'équipage. Il faut que tu nous donnes du biscuit et du vin. Mais moi, le malabar, moi qui n'ai peur de rien, depuis l'heure du départ, l'heure dit je vous préviens. Je suis le maître à bord. Ce soir, demain j'espère, nous toucherons au port. Vous serez libre à terre. Mais maintenant, ni le sabord, je n'admets la moindre riposte. Je materai tous les plus forts, que chacun regagne son poste. Sur vous j'ai droit de vie de mort. Je suis le maître à bord. Allez, garçons! On va se prendre un grain! Allez, prends le vent, on se dépêche! Au milieu de cette tempête. Mais, madame, monsieur, tout n'est pas perdu pour autant. Nous n'avons qu'à gagner le centre de la tempête. Et comment donc? Je n'y comprends goutte. Oui, en effet, monsieur, expliquez-vous un peu. Saisissez-moi bien. Imaginez un gigantesque verre de lampe à pétrole qui se propulserait à la vitesse d'un cheval au galop et dont le centre resterait immobile tel l'œil du cyclope.
C'est précisément cet endroit qu'on appelle l'œil du cyclone qu'il s'agirait d'atteindre. Oh, joli! En somme, vous voulez dire que le cyclone ou le cyclope, ne voyant pas la paille qu'il a en son œil, nous en réchapperions? C'est un effet lumineux, mon cher. Si vous voulez. C'est une façon plaisante de dire la chose. Littéralement faux et absolument vrai. Qu'est-ce que donc ce remue-ménage? Le capitaine a l'air inquiet. Capitaine! Où est le maître d'équipage? Maître, à moi! Présent, capitaine. Nous sommes au vent de l'île. Au train où vont les choses, il va falloir manœuvrer promptement. Nous courons tous au naufrage. Branle-bas! Hé, hey, branle-bas, vous avez entendu, capitaine? Allez, la molette! Virez-moi ce cabestan, allez! Allez bas, allez bas! Maître, où en sommes-nous? Où en est la situation? À mon avis, vous feriez mieux de rester dans vos cabines. Sinon, vous allez aider la tempête. Il a l'air de mauvais poil. Interrogeons plutôt le capitaine. Capitaine! Capitaine, où êtes-vous? Vous là, dites-moi donc, il est où le capitaine? Il était là il y a une seconde. À la niche! Oula! Faudrait voir à pas gêner ceux qui travaillent. Bravo, je comprends votre énervement, mais le propre d'un homme est de savoir se maîtriser en toutes circonstances, même les plus énervantes. Écrasé, je vous dis, si vous tenez à vos carcasses, retournez vous pagnoter dans vos cabines de luxe. Tout doux, tout doux, tout doux. Vous ne semblez pas bien vous rendre compte à qui vous parlez. Le frère du roi, la fille du roi, et moi-même, le conseiller du roi. Aïe. Le roi, le roi, le roi. S'il y en a un qui se fout bien du roi, c'est le vent. Sa majesté le vent. Pour l'instant, c'est lui qui commande et nous sommes ses sujets. Si c'est là l'infernal nocher, il a l'air bien mal embouché. En un certain sens, ce gaillard me rend gaillardi. Nous en réchapperons, vous verrez. Il n'a pas une tête de noyé, il a plus une gueule de pendu. Le résultat est le même. Si nous échappons au poisson, il n'échappera point au corbeau. Oula, 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 oula. Mais c'est qu'il m'a fort irrité, cet ivrogne au gosier énorme. Bon, je plaiderai les circonstances atténuantes. Il ne manque ni de courage, ni d'entrain. Range-allez les bonnettes. Allez, range-allez les bonnettes, garçons. Allez. Ala ira la oula chale. Olivoué falaloué. Dans le port de Mos nous allons entrer. Olivoué falaloué. Ala ira la oula chale. Continuez là. Monsieur, 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 nous exigeons de voir le capitaine immédiatement. Quoi? Encore vous? Mais si vous n'arrêtez pas de nous emmerder, allez, et si vous n'allez pas prier pour vos carcasses, je m'en vais. Lâchez toute la manœuvre et je vous abandonne tout. Mon ami, entre Belzébuth et vos âmes, ne comptez plus sur moi pour m'interposer. Ce gueulard abuse de la situation. Je voudrais bien voir ce maudit roquet noyé et roulé par 10 marées. Oh. Allez, maintenant, branle-bas! Range-allez les bonnets! Oh là là! Oh là là! Allez, 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 all
tout au pays d'Europe. Même leurs éclairs sont différents. Mais nous sommes perdus. Moi, toute ma vie durant, je me suis tenu prêt à entrer dans le sein du Seigneur. Maman! Là, regardez, le feu se propage! Le vent rejoue! Capitaine, capitaine, nous sommes ça! Capitaine, je vous ordonne de nous aller! Seigneur, prenez soin de l'entête-vous! Hélas! Prions, prions! L'enfer s'est vidé! Et tous les démons sont ici! Je donnerais bien en ce moment un bon cœur, la mer tout entière contre un peu de terre bien aride. Que les décrets d'en haut soient accomplis. Mais à vrai dire, j'aurais mieux aimé mourir à sec. Nous avons parti de Lisbonne. C'est pour en France revenir dans le grand navire de Bayonne. Nous n'eûmes pas doublé les pointes qu'un vent de nord s'est élevé. A fallu carguer la grand voile pour y courir au quart de voile. Il a vanté d'un si gros vent, grand Dieu, quelle horrible tourmente. La moitié de nous gens pleuraient, les autres chantaient des louanges, les autres chantaient des louanges, louanges, louanges à haute voix. Que Dieu ait pitié de nos âmes, puisque la mort il faut avoir. Des dizaines de crânes dans l'eau glauque. Un véritable gisement de crânes, intacts, troués ou écrabouillés, parfois colonisés par des animaux. J'en prends un dans ma main et, nouvelle Hamlette en tenue de plongée noire et jaune, je soliloque par 17 mètres de fond. Être ou ne pas être. Un cerveau pensait, voici quelques siècles, dans les ossements que je manipule. Quelles idées l'agitaient en ce jour qui lui fut fatal? L'homme avait-il peur? Essayait-il de jouer les héros?
Rares sont les occasions où la mer consente à restituer les amphores ou les statues qu'elle a englouties. Rares les canons qu'on remonte, les trésors qu'on réinvente. On ne récupère pas grand-chose de l'immense butin amassé par les grandes eaux de la planète. Et chaque année, celle-ci continue d'avaler plus d'un million de tonnes de navires. Dans le crépuscule des profondeurs, le plongeur rencontre ici et là une fantomatique parabole de l'aventure humaine. Un mât dressé, des agrès décorés avec des guirlandes d'algues, des coursives tapissées d'éponges, où circulaient jadis marins et voyageurs, et qui ne sont plus hantés que par les poulpes, les crevettes et les sardines. Toutes les épaves disent la même chose. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Sur le sable cruel du fond des mers, j'ai trouvé les restes de galères grecques ou romaines, de galions de la flotte d'or espagnole, de navires marchands, de croiseurs, de pétroliers, de porte-avions, des dizaines d'embarcations d'âge, de formes et de tailles différentes. Tous ces bateaux, modestes ou superbes, continuent de pourrir sous la caresse hypocrite des courants. Leurs équipages, simples marins et capitaines, ont péri. En même temps que leur corps, l'onde a pris aussi leurs joies et leurs peines, leurs querelles, leurs amours, les élans de leurs âmes. La vague a nivelé les conditions sociales, égalisé les destins. Tous ces membres, ces viscères, ces cerveaux qui pensaient ont été recyclés en protéines et sels minéraux pour les crevettes et les sardines, dans le grand écosystème océanique. Avec un sanglot, meurt la tricoteuse. Sur le corps minu que la vague amène, elle a reconnu son vieux tricot de laine. Pour aller si loin, bon, j'ai
Voilà, c'est fini. Ne croyez pas qu'ils vont recommencer une scène, ils sont en train de vous préparer le pot que nous vous offrons. C'est pas bien, ça ? Voilà, donc merci à vous d'être venus si nombreux. Il y aura un chapeau ou des paniers, des chapeaux, enfin je sais pas trop quoi, à la sortie tout à l'heure. Mais en attendant, venez nous rencontrer autour d'un bon petit verre de vin de Sureau. Voilà, création maison aussi. Merci à vous encore. Six d'entre vous
mes six favoris, mes six préférés, les six plus courageux d'entre vous vont périr sous peu, dévorés par les ignobles sirènes. Mais pourquoi sommes-nous si lâches? Ah oui, hélas! Pourquoi ne sommes-nous donc pas ces six courageux-là? Toi qui as découvert Achille sous des robes, tu as su sous nos armures voir des âmes de femmes lettres. C'est donc à juste titre...